Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Superette. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Et oui, il n'y aura pas de couture. Cette semaine, on vous donne 5 conseils pour prendre vos créations en photo. On espère que cette vidéo vous servira pour vos photos Instagram, Tumblr, Pinterest, etc., etc. On espère aussi que la vidéo vous plaira parce que c'est un petit peu différent de ce qu'on propose d'habitude. En tout cas, nous, ça nous a fait trop kiffer de faire cette vidéo pour vous et on va pas tergiverser davantage, on vous laisse avec les 5 conseils. Conseil numéro 1, et pas des moindres, la lumière. Il faut absolument prendre votre photo en lumière naturelle. Du coup, même si vous avez fini votre projet à 3h du matin parce que vous pouvez pas vous empêcher de coudre, vous attendez le lendemain pour prendre une photo. Vous allez de préférence dehors du coup ou près d'une fenêtre si vous le faites à l'intérieur. Conseil numéro 2, le fond. Tout le monde s'en fiche complètement du bazar qu'il y a chez vous et en plus de ça, ça parasite complètement l'attention qu'on porte à votre création. Du coup, s'il y a des trucs superflus dans votre photo, vous les retirez. Et oui, pour faire une belle photo, il faut mettre un minimum d'énergie et du coup, on déplace quelques trucs si ça permet de faire une meilleure photo. On choisit du coup un fond uni et de préférence dans les tons clairs. Conseil numéro 3, choisissez votre plus beau cintre. Si vous n'avez pas de cintre, on va vous montrer comment prendre une photo à plat. Si vous avez un modèle ou un mannequin de couture pour présenter votre création, profitez-en. Nous, on va partir du principe qu'on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas d'amis, du coup on prend la photo sur un cintre. Et si vous n'avez pas de cintre, vous pouvez très bien prendre votre création à plat, par exemple en vous servant de vos draps comme d'un fond uni. Mais attention, on arrive au conseil numéro 4, bien cadrer sa photo. Et du coup si vous posez à plat votre création sur votre lit, faites bien attention de vous placer bien en face, quitte à utiliser un tabouret ou une chaise, vous prenez la photo bien au-dessus, ça mettra mieux les proportions en valeur que si vous la prenez à hauteur de visage. Et enfin, dernier conseil, conseil numéro 5, on vient légèrement retoucher la photo sur une application. Alors nous, on utilise Snapseed pour pousser un petit peu l'exposition, on augmente la luminosité, un petit peu le contraste et la saturation, on vient recadrer si jamais il y a des trucs qu'on veut plus voir. On pourrait rentrer davantage en détail sur tout ce qu'on fait sur Snapseed, mais on vous gardera ça sur une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. On espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un petit peu différent de ce qu'on vous propose d'habitude, mais on est comme ça nous, on improvise, on vous propose des choses un petit peu différentes. Si vous avez kiffé, vous pouvez nous laisser un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, et Léa et moi, on vous fait des gros bisous, on vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais.